Salut, salut tout le monde, bienvenue, j'espère que ces fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, pour moi en tout cas ça a été le cas. Je vous rappelle que dans le cas où je n'arriverai pas à suivre les informations, vous pouvez toujours faire un arrêt sur image pour dire de voir par vous-même et rechercher ce qui vous intéresse. On va s'attaquer donc tout de suite à l'actualité de janvier 2018 et on continue. On commence tout de suite, excusez-moi, par le 1er janvier avec The Metro New Wave Party. Automatiquement c'est au Press Club à Sacramento. Continue avec le 2 janvier, une soirée Terror Tuesday Goth Industrial Dark Wave, et c'est au Golden Bull à Oakland. On continue toujours, je pense, le 2 janvier avec Blue Monday on Tuesday Industrial Night on the Patio, et donc c'est au Blue Monday aussi à Los Angeles, et c'est le 2 janvier toujours. Ici, on passe au 3 janvier avec The Breakfast Club 80s dans Los Angeles, donc au City Restaurant à Los Angeles. On continue avec Memento Mori le 4 janvier, évidemment, c'est à New York, donc voilà. Si vous êtes dans le secteur, ça peut toujours être intéressant de voir cette soirée. 5 janvier, Back in Darkness 2 avec Panko, Diaframa, Holy Shire et Sakem, excusez-moi, Sunset Garden, c'est à Lenate. On continue toujours le 5 janvier avec évidemment Clan Ximox, Sophia et Ditsoul, et c'est à Tel Aviv. Donc si vous êtes de ce côté-là, ça peut être intéressant. On continue toujours le 5 janvier avec Swamp Cult présente Night of Death, Doom, Drone et Dark Ambient. Donc c'est le 5 janvier, c'est au Valhalla. Where is my mind? C'est une soirée le 5 janvier au Kir, donc en Allemagne, à Langenfelder. Ensuite, Kondo Club 2, donc ça c'est State of Decay, c'est au Blue Shell, c'est à Cologne aussi. On continue avec cette affiche, donc c'est Petite, Kiss, Adrenochrome et des OS Primitive. Ça doit être du côté de l'Amérique latine, mais je n'en suis pas sûr. 5 janvier, Masquerade, A Gathering of Vampires, c'est au Open Stage Club et c'est à Coral Gable, donc en Amérique latine, si je ne me trompe. Ensuite, Strange Love Vampire Ball, c'est Strange Love à San Francisco. On continue avec une soirée, donc toujours le 5 janvier, et donc Sprinkler, à vous de voir, c'est au Doxoxod. Une autre soirée, Brickbat Mansion, qui se fait au Sleep and Tourney Way to Heaven, c'est le 5 janvier aussi. 5 janvier toujours, Inferno Noir, Saint Retro, Outrun, Italo New Dark Wave, c'est au KXTS, c'est à Newark. Ensuite, un festival, Hand Label Night Berlin, avec Winter Cult, Monolith, Guest Form, Greyhound, New Frames, Last Day of Sex. Donc voilà, c'est à voir. Et automatiquement, ça doit être du côté de Berlin, si je ne me trompe. Ici, Suicide Commando, le même jour, avec en première partie Punish Your Machine, c'est au Petit Bain, donc amis parisiens, cette soirée pour vous, à ne pas louper. Le 6 janvier toujours, Agonize, live Dynamo Zurich, donc c'est à Zurich, mais au Dynamo Zurich, et donc c'est bien le 6 janvier, donc voilà, profitez-en. Drame Majesty, le tour européen, qui fait le 6 à Athènes, le 12 à Saint-Pétersbourg, le 13 à Moscou, le 17 à Dresden, le 18 à Hambourg, le 19 à Copenhague, le 20 à Berlin, le 21 à Poznan, le 23 à Varsovie, le 24 à Prague, le 25 à Brunt, le 26 à Leipzig, et puis je vous laisse regarder par vous-même le suite. Twist in the Dark, c'est le 6 janvier, et c'est à Ybor City, donc à vous de voir, c'est au Crowbar. Creature of the Night, donc ça automatiquement avec un live concert de Lux Aeterna, c'est au Kir, c'est à Langenfelder. Ici, Sleepwalker Night, donc c'est le 6 janvier au Luxor à Cologne.
Donc, si vous êtes intéressé, pas mal. Attention, il y a un dress code. Le 6 janvier, Living on Video, 90 Pop et Wave Party, c'est au Tsunami Club à Cologne, donc en Allemagne. Ici, Nine Inch Nails, Downward Spiral, Nine Inch Nails Night. Donc c'est une soirée spéciale Nine Inch Nails et c'est au MTC Cologne, donc à Cologne comme son nom l'indique. New Wave Party, Mickey Hawaii. Donc voilà, c'est au Subculture Hanover et c'est le 6 janvier. Toujours le 6 janvier, When the Sun Hit, là on est à Leipzig et donc c'est au Band Community Bahnhof. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Shattered Towns Dark Love Single Party. Donc ça c'est pour les célibataires. Shadow Leverkusen. Et c'est à Leverkusen. Ici, une soirée aussi le 6 janvier. Asylum Guild. Avec pas mal, c'est au Pyramid Club à Manhattan. Ici, Necropolis Saturday Genesis. Donc c'est le 6 janvier. Et c'est au Necropolis à Twin Falls. Donc c'est à New York. Ensuite, No Cover Night, donc ça c'est une soirée au niveau du 6 janvier, toujours au QXT, c'est à Newark. Ici, Bowie, donc The Hanging Garden, et c'est une soirée qui se passe, si je ne dis pas de... Ah bah j'ai pas eu le temps de le voir, c'est rien, vous trouverez vous-même, le 7 avril, Wavefest 3 avec Annals of the Trees, Whispering Sun, Plus 4 et Barog, c'est au Wavefest et c'est à Rotterdam, donc ça c'est vraiment à ne pas louper, c'est un beau, un bel événement on va dire. La CC8 Gastreet à Arscott, c'est avec Nothing But Noise et Daniel B. Prothèse, donc à voir, c'est hyper intéressant, c'est le 10. Ensuite ici le 11 juin, Unsun Method, donc une soirée qui se fait au Kir. Xerox, donc ça automatiquement c'est aussi le 11 janvier et c'est à Los Angeles, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le 12 janvier, Enzo Craft Life in Antwerpen. Donc ça c'est au Der Kleine Hedonist à Anvers. Une boîte qu'on connaît un petit peu. Le 12 janvier, The Black Veil en live avec Pet in Black et une New Wave Party. Donc automatiquement à voir. Schwarzer Freitag, c'est au Dark Flower à Leipzig. Donc c'est le 12 janvier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On continue avec The First Retro Wave Synth Wave Party in Israel, donc c'est au Ozenbar et c'est à Tel Aviv en Israël. On continue avec le Showcase 2 avec Sadness Isolation, Fréquence Noire, El Ojo y la Navarra et Los Subnormales avec une after et ça automatiquement. Vous regarderez où ça se passe. Gotwerg, c'est Dance Until the End, et automatiquement ça se passe le 13 janvier, donc je vous laisse regarder où. Le 13 janvier toujours, Disorder Present, Position Parallèle, Delos, E-Tech Live, c'est au Blue Shell à Cologne. On continue avec Book of Love en concert avec Astary Night, c'est le 13 janvier, et automatiquement donc c'est au Notorious Nasty si je me trompe. Le 13 janvier toujours, Love in Prague, c'est au Café de la Tannerie, c'est à Bourg-en-Bresse. Donc ça, c'est un peu plus proche. Ici, Dark Wave EBM Night avec Razim, Mr. Asser et Ubermensch. Avec après une after metal, donc à voir si ça vous intéresse. Plague on Twist, c'est toujours le 13 janvier, donc voilà, si ça vous intéresse, c'est au Bell Gardens. Ensuite, le 13 janvier, Xuxider, Jan Kevin in Sojo Leven, donc c'est au AJ Sojo à Kessel. On continue le 13 janvier avec DJ Erk Erkrag et DJ Lupus C, c'est au Dark Flower à Leipzig. Ensuite, Dark Infection, c'est le 13 janvier, et ça se passe donc au Orange House à Fairwork, à München, excusez-moi. Shattered Towns Ladies Night,
Donc c'est une soirée pour les filles. Le 13 janvier, c'est au Shadow Leverkusen, c'est à Leverkusen. Ici, le 13 janvier, Initiation Ténébris et Apocalyptique Cocktail. C'est à Münkeller, à Leipzig. Dats 80s, c'est le 13 janvier aussi, et c'est au Luxor, à Luxembourg. On continue avec Dark Society au X-Erfurt, c'est à Erfurt. Donc voilà. Ensuite, on continue avec Loft in the Shadow Depeche Mode Party, c'est au Loft Club, et c'est à Erfurt cette fois-ci. On continue avec Club Impulse Got Night, c'est le 13 janvier, et donc c'est à Radio Bar à Auckland. Toujours, ça peut toujours être intéressant si vous êtes à l'étranger. Doc Carcass live at Otto's Schreckenhead, donc c'est le 13 janvier, l'entrée est gratuite. Donc à voir. Toujours le 13 janvier, The Red Party avec Winky. Et pas mal d'autres choses. Sabbat, Club Sabbat, donc c'est le 13 janvier aussi, c'est The Mero et c'est à San Diego. On continue avec Dark Saturday, Gothic Party, le 13 janvier, et automatiquement ça se passe au Tom Toxic Club. On continue le 13 janvier avec Mysteria, donc pas mal de choses, hein, comme vous pouvez le voir, et automatiquement, ça se passe à la Sala. On continue avec Castle Noir, c'est le 16 janvier, donc pas mal de choses, c'est au Primaire Piso Bar. Guerro, automatiquement Live Act avec Mementum, Lucifer Christ, Innoversi, Estrero et Gadou. Mais vous verrez par vous-même. On continue le 13 juin avec Black Return to Punk Rock Night at the Melody Inn. C'est au Melody Inn à Indianapolis. On continue aussi avec Common the Sun Eater au Nocturne au niveau de Toronto. Donc voilà, si vous êtes dans le secteur, c'est pour vous. Le 13 janvier toujours, Winter Fetish Ball, c'est presented by Sin City, c'est au Hindenburg et c'est à Vancouver. Donc voilà, si vous pouvez le voir. Violence Conjugale, groupe français, Baya Computer, c'est le dimanche 14 janvier, et donc c'est au Do It Yourself Café, c'est au niveau de Liège si je me trompe pas. Stimulate, c'est une soirée le 14 janvier aussi, Wicked Winter Westerland, donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse, au Tribe. Le 17 janvier, un tribute to the Lady of Showgaze avec Violaine, qui interprétera certainement Slowdive, Cocteau Twins et autres. Ici on continue avec la soirée Avalon, Dark Witch 90 et Dark Wave au Subculture à Hanover. On continue avec le 18 janvier, Lord of the Lost au Bari en Italie. Donc c'est au Gara Gesund à Bari. On continue avec Cats Cab et Dir, c'est au Boucanier si je me trompe pas. Ensuite, on continue avec la tournée Sextile. Alors là, c'est écrit vraiment trop petit pour que je puisse vous dire quoi que ce soit. Donc, je vous fais confiance, vous ferez un arrêt sur image, vous agrandirez l'image et vous regarderez. Je pense que ça commence le 18 à Leeds. Donc, voilà. L'ami mortel, donc le Schattenwelter Tour 2018. Donc, le 19 à Oberhausen, le 20 à Francfort. Et voilà. Et le reste, on verra le mois prochain. On continue aussi avec un nouveau Lord of the Lost à Rome cette fois-ci, au Traffic. Donc c'est au Traffic Live à Rome et c'est le 19 janvier pour les fans. No More et Psyché, c'est en live le 19 janvier, c'est au Affenklang, excusez-moi, Goldener Salon. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Après Depeche Mode et Dark Classic, donc c'est au Café Wagner, c'est à Jena. Et c'est le 19 janvier aussi. On continue toujours avec Siberia, Cyber Rouge, 6 années d'anniversaire. Donc c'est au Open Stage Club, c'est une soirée qui se passe sur Coral. Ensuite, le 19 janvier, RSC, Mass
Dark Winter's Night Dream, c'est au Respectable Club. Adré, Silence Era, Broken Spirit, Beward et Adenochrome, c'est au Ellie Smile Isle Club, c'est à Auckland. Enfin, la grosse affiche de ce mois de janvier, c'est le Winterfest avec The Alarm, Wolfgang Fuhr, Erna, enfin voilà, Doganov surtout à ne pas louper. Donc voilà, si vous voulez, c'est au Compass Club Gand. Donc c'est à Gand. Donc ça peut être hyper intéressant. Je pense que c'est même ce qui est le plus intéressant. Strange Sound and Sad Machine avec Pulsar, Equinoxius, Fréquence Noire, Elojo Ila Novara, Sadness Isolation, Eternos Everno. Donc voilà, c'est le 20, c'est au Soundbar. Donc Colonie, Doctoress en Amérique latine. Révélation, autre festival avec Red Zebra, Lotus Feed, Siberia, Noah Katefushi. C'est au MTC Cologne et c'est à Cologne comme son nom l'indique. C'est entre, enfin c'est le entre le 20 et le 21 janvier. On revient avec Lord of the Lost, Psycholies Live et Extensia Theater Club. Donc c'est au Extensia Theater Club. À vous de voir. Jaggernaut revient avec une autre date, c'est le 20, The Rise of the Belgian Empire, c'est au Fekelsenkeller, c'est à Leipzig. The Firm Inc., E-Craft Battle Scream, Système Noir, c'est le 20 janvier aussi, et c'est au Club From Hell, donc voilà, si ça vous intéresse. Ici, Moan N Exis, groupe français, Transcendance Tour 2017 avec Petrolio, c'est au Wave. Psychobilly Night le 20 janvier avec From Elgium et Zombie Grow, excusez-moi, et Astro, je sais plus quoi. Donc à vous de voir. 20 janvier, Disorder, Night of Dark Ages, Performing Live Joy Division, c'est au Epic Lounge à Downey. Club New Wave, donc ça évidemment c'est au Bodega à Bruxelles, c'est le 20 janvier aussi. Donc comme vous voyez, il y a deux salles je pense. Le 20 janvier toujours, Infected Retro Edition, c'est au Twitch Gand, donc c'est à Gand comme son nom l'indique. On continue avec Towns Den Underground, donc c'est le 20 janvier toujours au Holzmarkstrasse, c'est le Club Light Direct, donc à vous de voir. Oh My God, une soirée le samedi 20 janvier au Kremsmüller, c'est à Newark. On continue avec Necromancy, tribute à VNV Nation et Sister of Mercy, et donc c'est le 20 janvier au Midtown Barfly. On continue avec Clan Gevolberg, c'est aussi le 20 janvier, et c'est au Predicator. Donc voilà. See You in Hell, une soirée aussi le 20 janvier. Donc là, je vous laisse regarder, ça doit être à Berlin si je me trompe pas, mais bon, je n'en suis pas sûr. On continue avec Contempo, c'est pour les 40 années Rockwave. Donc pas mal de choses. Et donc c'est le 20 janvier. Le Eternal Sound, c'est au Paranoid Vision Uta, c'est à Mexico. Et c'est le 20 janvier aussi. Pas mal de choses, hein, ce 20 janvier. 20 janvier toujours, hein, au Foro Bizarro, c'est Classico Underground, donc voilà, à vous de voir, ça peut être hyper intéressant. Ici, Underground Rarities, donc on change un peu, c'est au Real L Under, donc à voir, pas mal de choses à voir. Nevermind, donc Vampire Freak présente Nevermind, et 90 Alternative Pop Party au Windfall Bar. On continue le 20 janvier avec Sinister, Miami, le 9e cercle, c'est au Windfall, Windwood 5e avenue. On continue avec Dracula's Doctor, c'est avec Prima Nocturne, c'est au Nocturne à Toronto. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant pour vous. Si vous êtes dans le secteur Post-Mortem Mobis, Dark Techno Ritual with Nozeda, c'est à Montréal. Donc voilà, si vous êtes de ce côté-là, c'est pour vous, c'est le 20 et 21. 21, toujours Rise, c'est Play Rammstein, donc un cover, avec Fat Poor Show, c'est au Coquin,
Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler du coquin. Conjure, automatiquement, c'est au F8 1192 Folsom. C'est à San Francisco. On continue avec Dépêche Mode le 24 janvier à Bordeaux Métropole Arena. Bon, c'est complet. Donc maintenant, il n'y a plus que à trouver des billets en la revente. Le 25 janvier, live in concert Nina Hagen, et donc c'est au Deutsche Schauspielen in Hambourg. Donc à Hambourg le 25 janvier. 25 janvier toujours, Clan Vimox, c'est évidemment à la péniche Lupica, et c'est à Lyon, donc amis lyonnais, ne vous en privez pas. Trisomie 21 revient avec un tour en 2018, et le 25 à Montpellier, le 26 à Marseille, le 27 à Bordeaux, et après le reste on verra le mois prochain. Donc voilà le grand retour de Trisomie 21 que j'ai le grand regret de ne pas avoir pu filmer à Lille. Ensuite, la tournée The Damned, The Evil Spirit Tour 2018, avec le 26 à Newcastle, le 27 à Dundee, le 28 à Glasgow, le 30 à Leeds et le 31 à Manchester. Pour le reste, on le verra le mois prochain. Donc voilà, un grand groupe aussi. Le 26 janvier, Nightclub in the Sky, c'est au Blue Shell et c'est à Cologne. On continue encore avec 26 janvier, toujours une soirée spéciale Rammstein, évidemment, au Fils d'Odin, c'est à Milam. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est le 26 janvier. On continue toujours le 26 janvier avec le Château Play Summer 2018, c'est au Valhalla, c'est à Wellington. Donc, si ça vous intéresse, c'est par là qu'il faut aller. Noir Classique, 26 janvier, toujours, c'est au Stuck, et c'est à Leipzig. On continue avec la soirée donc Dark Knight Awake au E-Tropolis Warm-Up, donc c'est le 26 janvier aussi, c'est au Das Sofa, donc c'est à Bonn. On continue avec Electronic Frequency, c'est au Dark Flower à Leipzig, donc voilà, si vous avez la chance d'être de ce côté-là à ce moment-là, profitez-en. Schwarzer Freitag, c'est le 26 janvier, c'est au Club From Hell et c'est à Erfurt. Donc ça peut vous intéresser. On continue avec Pray to God 2018, la première partie, c'est au Kufa Mühlhausen, donc à vous de voir si vous connaissez. Ça peut être intéressant, le 26 janvier toujours Vinyl Vixen Dance Night, avec New Wave, Post Punk et Freestyle, c'est du Stay Gold Daily, c'est à Auckland. Ici, c'est le 26 janvier, pas mal de, ça doit être une soirée, donc au Real Life Playlist, donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Global Spirit Tour, on revient avec Dépêche Mode pour deux dates à Milan, le 27 et le 29 janvier. On revient avec l'Androkimox Industrial Festival, c'est le 27 janvier et c'est au PJ Pico à Cannes. Donc en France, on revient le 27 janvier, The Breath of Life, et c'est au B52s. J'aimerais bien le filmer, cet événement. On continue avec Trouble Fête. Alors ça, c'est à vérifier, mais normalement, il devrait jouer le 27 janvier 2018, oui. Voilà, mais je ne suis pas sûr. Cercle Noir, Wave Gothic Party, avec automatiquement Dress Code. Donc c'est au Cercle, c'est le Cercle. C'est à Chapelle, je sais plus quoi. On continue avec Vision Industrial. Donc c'est le 27 janvier, c'est un top 100. À vous de voir si ça vous intéresse. 80s Party Best Hit, donc c'est au Cashback Clubbing Seibourg et c'est à Seibourg. C'est le 27 janvier. 27 janvier toujours, Proserpina Nart After Show Party, donc c'est au Alte Feuer Schwache Love Switch, c'est au Dresde. C'est à Dresde, excusez-moi. New Dark Age, donc ça c'est au Moritz Bestel et c'est à Leipzig. On continue avec Electronic Work 2, Electro BM, c'est à Leipzig, c'est le 27 janvier, donc à vous de voir, Coach Tracer. Le 27 janvier toujours, Dark Electro versus Industrial, After Show avec Creature of the Night, donc à vous de voir, il y a aussi des lives. Mardi 30 janvier, donc là, automatiquement une soirée punk, je pense, donc à vous de voir si ça vous intéresse, c'est à Lyon.
Donc ça peut être intéressant. 30 janvier, Club Desintegration 1.30. Donc c'est General Lee Cocktail House et c'est à Los Angeles. Donc voilà, je crois qu'on en a fini avec les soirées. On va, comme d'habitude, s'attaquer aux radios, sachant que je n'ai pas eu le temps de faire vraiment tout le tour du web pour vous trouver une nouvelle radio. Mais en tout cas, j'ai les essentiels qui sont toujours Post-Punk, Cold Wave, Gothic Rock, Frontier Rock, Radio Show. C'est toujours sur Attitude FM et c'est toujours les mardis à partir de 22h, minuit. Avec une spéciale le 16 janvier, Frontier Rock fête 40 ans de The Cure, avec la première partie qui ira de 1978 à 1982, donc une émission à ne pas louper. Donc, je vous le dis bien, c'est le mardi 16 janvier. On arrive avec Radio ADN, et notamment tous les jeudis de 23h à minuit, avec une rediffusion le dimanche de minuit à 1h de Fragments de Pierre, avec DJ Eurydice et DJ Darkman. Donc voilà, pour moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2018, tous mes voeux, plein de bonnes choses, notamment plein de bons concerts. Encore une fois, je souhaite aussi une bonne année à tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés à ma chaîne, aux groupes qui m'ont fait confiance, ainsi qu'à tous les spectateurs du net. Voilà, partagez, faites connaître cette chaîne, likez, abonnez-vous, salut. Thank you.